كثير من الناس يفهم فهم خاطئ للجهاد في سبيل الله. Beaucoup de personnes ont une conception erronée du jihad, c'est-à-dire la lutte dans le sentier d'Allah. منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله. Du début de sa révélation, du début de sa mission jusqu'à sa mort. لو جمعنا كل القتلى من غير المسلمين. Si nous réunissons tous les non-musulmans qui sont morts durant ces batailles. الذين قتلوا في المعارك. Qui ont été donc tués pendant les batailles. لم يتجاوز الألف. Ça ne dépassera pas 1000 personnes. Et certaines personnes, certains savants disent que ça ne dépasse pas 1200 personnes. C'est-à-dire que pendant 23 ans, un nombre aussi infime a été tué pendant 23 ans de révélation. C'est infime. C'est peut-être le nombre de personnes qui ont été tuées en une seconde pendant la première ou la deuxième guerre mondiale. Il n'a jamais été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam ait tué un moine ou une personne qui était en train d'adorer son seigneur. Ou alors qu'il ait tué une personne âgée ou une personne malade. Ou une personne folle. Ou un enfant. Ou une femme. Ça n'est jamais arrivé du vivant du prophète sallallahu alayhi wasallam. Lam yaqtul kafir. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wasallam n'a tué un non-musulman. Rajul wahid faqat min al-kuffar. Le seul homme qu'il ait tué. رماه النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui lui a jeté. وحتى لم يموت في ساعته. Et il n'est pas mort immédiatement. فهذه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. Voilà les batailles du prophète صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار لمصلحتهم. Si le prophète il a été contraint de combattre les mécréants, c'est dans leur intérêt. لمحبة الخير لهم. Parce qu'il leur voulait du bien. بعد أن خيرهم بين الإسلام. Après leur avoir donné le choix entre l'islam. أو دفع الجزية. Ou alors de payer la taxe. ويصالحهم. Et il passe des contrats avec eux. بعد هذا المرحلة الثالثة كانت هي القتال. Après ces deux étapes, eh bien il y avait le combat et la lutte armée. إذن القتال لم يكن لأجل القتل. Et donc la lutte dans le sentier d'Allah n'a pas été légiférée pour tuer les gens. كان لمصلحة الكفار. C'était dans un intérêt. فنحن والله نحب للكفار الخير وهو الدخول في الدين الإسلامي. Et nous jurons par Allah que nous souhaitons pour les non-musulmans le bien, qu'ils se convertissent.